vidéo unboxing. Donc je vais vous présenter un nouveau partenariat. Et dedans il y a le cadeau pour le concours. Alors le concours il arrive, ne vous stressez pas, ça va arriver, je vous ai pas oublié. Sauf que donc là j'attendais déjà un premier lot et j'attends des lots de chez Ibroderie qui doivent arriver. Donc est-ce que je vais voir cette semaine, on va voir avec monsieur. Parce que du coup avec monsieur on est sur l'impression 3D, c'est là, d'ailleurs vous entendez l'imprimante qui tourne derrière. Il est en train de m'imprimer une équerre, pour faire une étagère Luigi. Pour faire sur mon étagère, on va mettre une équerre Luigi, une équerre Mario, et on va les mettre comme ça, et on va mettre une petite planchette, et on va mettre nos jeux de Switch. Monsieur, je lui demanderai qu'il inclue à ce moment-là l'équerre pour vous montrer le fichier de ce que ça va rendre, voilà. Et du coup, vous l'entendez tourner en fond. Et oui, pour dire, voilà, cherchez ce que je voulais dire. Pour dire que du coup, je pensais faire un petit lot de choses que j'ai trouvées, alors qui sont pas ma création et que je n'ai pas le droit de vendre du coup, mais que j'ai trouvé sur Pinterest et qu'on a le droit, pas Pinterest, les sites de impression 3D. Attendez, voilà, d'impression 3D. Et du coup, faire un petit lot et vous le mettre à gagner en plus. Et gardez les lots de chez Ibroderie qui sont de toute façon des outils. Parce que elle m'avait proposé une toile, mais je préfère garder la toile pour vraiment un gros cap comme les 1500. Par exemple, voilà. Je préfère garder pour faire un gros concours plus tard. Donc là, elle va m'envoyer des outils, mais je ne sais pas dans combien de temps. Donc, du coup, je pense faire un petit kit d'outils impression 3D. Et je suis désolée, j'ai des petits boutons là, ça me craque. Et du coup, donc faire un petit kit impression 3D que je pourrais offrir. Parce que déjà, j'avais dit que j'offrirais qu'un petit truc. Et donc, je pense que ça pourrait être bien. Plus une des toiles qui rentre dedans. Donc voilà. Donc, je vous montre le carton. Alors, ce matin, le facteur sonne. Et puis, monsieur Wu va voir et puis il dit, c'est le facteur, j'ai un colis pour vous. Ok, il descend et là, il remonte avec un colis de Amazon et il me dit, mais t'as pas commandé sur Amazon? Il fait, je comprends pas, il fait, t'as commandé quelque chose sur Amazon? Et j'ai une grosse ride là qui se voit. Putain, quand je serre les yeux comme ça. Et je lui dis, bah non, j'ai rien commandé sur Amazon. Et en fait, c'est mon vendeur, mon nouveau partenariat qui est de chez Amazon et moi je ne savais pas. Donc c'est bien protégé. Il y a des bulles. Il y a des bulles. Ça c'est trop bien. Et est-ce qu'il y en a qui savent? Allez, allez-y, mettez en commentaire qu'est-ce qui est sur Amazon. Et ben c'est 4 Catered ou Catered, je sais pas, Catered peut-être. Voilà, j'ai eu le droit d'avoir deux diamond painting de chez Catered. Donc ils m'en offrent un pour moi pour faire la pub en partenariat et un qui est pour le concours. Voilà, donc le concours arrive très 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 prochainement. Je vais juste réfléchir ce week-end si je fais si j'attends Ibroderie Diamant et que je vous mets les outils de chez Ibroderie Diamant. Ou si la vidéo va être publiée 24. Non, j'aurais pris ma décision. Ou si je vous fais un kit d'outils. Mais je pense que ça va être ça. Un kit outils, un kit tool impression 3D. Avec ça à gagner. Ouais, je pense que ça va être comme ça. Donc, on va le déballer. Donc, j'en ai deux. Et je pense que c'est les deux kits sont identiques. J'ai regardé les références à l'intérieur. Juste sur le papier. Où il y a les pierres et je pense que c'est les deux mêmes. Mais bon, pas grave. Alors, on va commencer. Je vais baisser sur moi. Voilà, vers la table. Hop, je vous le hop. Donc quand on ouvre le kit. Hop. Donc déjà, on a une belle toile qui est dentelée. Donc qui est très, très plastique hein, par rapport à certaines toiles de chez AliExpress, le toucher il est rugueux, il est plastique, plastique. Donc ça on va attendre. Hop, hop, hop. Alors vous pouvez rouler hein,
colle coulée, il n'y a pas de souci. Hop, filons ça. Donc on a une barquette classique. D'ailleurs pour ces barquettes là, j'ai monsieur qui m'a imprimé. Alors, je vais vous montrer. C'est un truc qu'on pourrait vous refaire dans le kit. Normalement je pense que c'est un bouchon. Voilà. Un bouchon en forme de diamant. Donc le tuto n'est pas de nous. Hein. C'est pas de nous. Ça c'était déjà sur Thingiverse. Et en fait, vous glissez là. Attendez. Vous le glissez là. Et hop, quand vous secouez, et ben vos diamants ne font plus la malle. Donc ça, voilà, ça c'est une petite chose que je pense qu'on pourrait mettre. Donc voilà, ma barquette. Alors je pensais sincèrement avoir un superbe stylo. Au moins dans un des deux kits pour moi, un stylo en résine. Ils font des super stylos en résine. Mais non, je me suis retrouvée avec un stylet classique. Avec un multiplacer 3. Ouais, 3, ça c'est pratique. La petite mousse, elle est... alors la vidéo elle ressort un peu bleue, mais non, elle est violette. Elle est rouge, j'allais dire. Voilà, ça c'est classique. Donc la feuille de route de chez eux. Alors ça, on va voir après. Alors, bah ouais, c'est mystère, donc on sait pas ce que c'est. Hein. C'est mystère. Et il a 30 couleurs. 30 couleurs, donc... Alors, attendez. On va essayer de se régler. Voilà. Là, vous avez le haut. Comme ça, je peux vous présenter. Là, vous avez le numéro. Là, vous avez le code couleur. Là, ben, ça, c'est la légende, en fait, que vous allez retrouver sur votre toile. Ça, c'est le numéro de la couleur chez DMC. Comme ça, s'il vous en manque, vous recherchez avec cette référence-là dans vos pierres DMC ou sur les groupes. Ou alors, moi, quand il me manque des pierres, je vais pas faire de la pub. C'est pas une pub, mais Esti. Je prends sur Esti et nickel. Comme ça, j'embête personne. Et c'est pas très cher. Et du coup, j'achète sur Esti. Et là, c'est le nombre de pierres qu'il vous faut. Donc voilà. Et c'est un carré. Et c'est la référence MY05. Donc les pierres, elles sont là. Je vais pas les déballer parce que... Enfin, si, de toute façon, je peux les déballer. Je vais pas tout vous déballer, je vais vous montrer 2-3 sachets. Donc là, on a bien sur le paquet la référence MY05. Et je vais prendre 2-3 sachets. Apparemment, ils étaient dans l'ordre. Et c'est des sachets zippés avec les références. Donc ça, c'est le numéro de la couleur sur la feuille de route. Ça, c'est le numéro de la couleur DMC. Et ça, je sais pas. Donc les carrés, ils m'ont l'air bien taillé. Il n'y a pas l'air d'avoir de plus petit. Il n'y a pas l'air d'avoir de trou. Ma foi, ils ont l'air d'être bien. J'aurais préféré du rond, mais ma faute à moi, j'ai pas demandé. Donc on a une espèce de beige. Oh, le bleu turquoise, c'est trop beau. Du bleu foncé. Du jaune. Encore du bleu. Alors sincèrement, je sais pas si je vais commencer tout de suite. Hein. Je voulais commencer au mois de mars et faire des toiles partenariat au mois de mars. Mais je sais pas du tout parce que je suis en train de finir le Mario qui est en défi avec vous les abonnés que vous avez choisi. Et sincèrement, il y a plein de bleus. C'est du carré. C'est j'ai pas. Ça me saoule un peu même. Parlons poliment, ça me saoule un peu. Donc du coup, je sais pas. On verra quand est-ce que je vais le faire. Je vais essayer de le faire quand même assez rapidement pour que Cat Red voie ma vidéo parce que quand même, ça serait bien. Donc là, on a un macaron. Et quand on ouvre, bah, c'est la cire. Alors, je pense que la cire doit être là. Je pense qu'elle doit être là, mais elle s'est retrouvée de l'autre côté. Bah ça je regarderai hors caméra comment le remettre dans le bon sens. Je pense qu'en prenant
Hop là. Ouais. Donc voilà, hop, ça y est. Hop là, voilà, c'est réparé. C'est réparé, la cire elle s'est sauvée dans le haut. Parce que je pense que là c'est le bas, il y a une marque là. Puis là c'est un petit peu plus bombé. C'est super joli, c'est super cool. Et puis bah, je pense que de toute façon quand la cire est complètement usée, alors déjà je vous dirais qu'il faut faire déjà pas mal de toiles. Parce que moi j'ai de la cire quasiment du début que j'ai commencé, j'en ai encore plein. Donc après il suffit d'étaler sa cire, de prendre des gros pains de cire et puis refaire comme ça et puis l'emporte-piécer et puis ça doit se remettre. Donc voilà. Donc là je vais vous reculer et je vais vous mettre la toile devant. Alors, ce que je vais faire, je vais couper 2 secondes, je vais faire comme d'habitude. Et je vais vous présenter en hauteur la toile. Mais par contre là que ça s'est coupé comme ça, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Donc voilà. Alors voilà, c'est bon. Donc là. Ah oui, avec le pied là. Tac, je vais essayer de vous décaler un tout petit peu. Voilà, là on est pas mal. Donc voilà, donc c'est un DP mystère. Donc on ne sait pas ce qu'il y a. Bon alors moi je peux vous dire déjà d'ores et déjà. Je connais pas, mais là, il y a la lune. Hein. Là il y a la lune. Là, par là, on voit quelque chose, mais moi, j'arrive pas à distinguer ce que c'est. Donc, bah déjà, je dirais le dessin par lui-même, sachant qu'il y a la lune là, c'est pas le truc qui me plairait vraiment. Mais bon, je vais le faire. Je vais le faire. Et puis, de toute façon, s'il me plaît pas, bah, je l'offrirai autour de moi. J'ai déjà ma petite idée à qui je vais le donner. Donc, voilà. Donc on voit vraiment rien, à part ça, et puis on sait. Mais sinon, il n'y a pas d'indication de couleur, il n'y a rien. Donc là, sur la toile, à cet endroit-là, bah, vous avez la feuille de route. La feuille de route qui est là. Bah, là, bah, la photo est cachée. Et vous l'avez aussi de ce côté-là. Vous l'avez à 2 endroits, en haut et en bas. Et en bas, là, je vais vous zoomer. Je vais vous zoomer, vous avez leur Facebook, leur Instagram. Après c'est compliqué de vous montrer mieux. Ouais, je sais pas comment je pourrais vous montrer plus. Mais bon, je pense que de toute façon, il y en a peut-être certains qui l'ont déjà vu passer. Si vous savez ce que c'est, dites-le moi en commentaire, moi ça me dérange pas. De toute façon, je vais la faire parce qu'il faut que je la fasse. Donc ça, c'était pour le kit numéro 1. Et je crois que le kit numéro 2 est exactement le même. On va l'ouvrir. Je vais rester sur la vue de haut. Donc ça, c'est le kit numéro 1. Je vais le remettre là. Ah, ça me gratouille. Mais vu qu'il a la même référence, je pense que c'est exactement le même. Donc là, il n'y a plus rien. Donc la barquette, ouais, c'est exactement le même. Alors pourquoi pas à ce compte-là attendre que la personne qui l'ait gagné l'ait reçu, et peut-être que si la personne a une chaîne YouTube, de le faire avec elle en... Donc le macaron est pareil, c'est un macaron rose. Et là la cire pour quand est au bon endroit, voilà. Pourquoi pas le faire avec elle en duo, ça pourrait être sympa. Donc bah voilà, vous avez exactement les mêmes couleurs. Pourquoi pas peut-être le faire en duo avec la personne. Même si la personne, après tout, elle n'est pas YouTube. Hein. Elle m'envoie les photos et puis moi, je poste les photos. Donc voilà, c'est exactement la même photo. Vous aurez tous les liens en barre d'infos pour aller commander si vous avez commandé chez eux. Moi, mes premières impressions, la toile est super jolie. La qualité a l'air d'être plutôt bonne. Mais c'est un peu plastique, je sais pas. Après, les impressions dessus sont super jolies, hein, y a rien à redire. C'est noir, blanc, les symboles sont top. Ah, on n'a pas regardé la colle. Au niveau de la colle, on n'a pas regardé. Ça colle super bien. Les symboles, bah, je peux vous zoomer plus.
Oula, elle était trop loin. Là, je peux vous zoomer. Ah, focus. Oh, désolé. Voilà, vous voyez bien, les symboles, ils sont super nets. Bon, le petit bémol, peut-être, ben, c'est que pour un mystère, c'est pas vraiment mystère parce qu'on arrive à voir quelques trucs. Bon, en tout cas, la lune, ça c'est sûr, je l'ai vue. Donc le reste, je sais pas. Donc voilà pour ma vidéo. Vous aurez tous les liens en barre d'infos. Je sais pas s'il y a un code promo. Au moment où je vous parle, je n'ai pas eu d'information s'il y a un code promo ou pas. Et ça passe, les ventes passent par Amazon. Donc moi, on a parlé. J'ai été. En fait, c'est moi qui l'ai contacté la semaine qui a passé. Et il m'a dit direct qu'il m'envoyait une toile. Donc lundi, il me dit que c'est en France. Alors j'ai pas tout compris. Il me dit que lundi c'est en France. Et vous allez être trop haut si vous remettez derrière moi là. Je pense que je vais être trop. Là, je vais essayer de dézoomer là. Alors désolé. Tac. Voilà. Et lundi, il me dit que c'est en France. Et je lui dis ok. Bon, il me dit vous devriez le recevoir dans un ou deux jours. Et hier, on m'envoie un message, il me dit non mais en fait ils se sont trompés, ils ne vous les ont pas encore envoyés. Donc vous les recevrez cette semaine. Donc la semaine qui arrive. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi j'ai reçu. Donc est-ce qu'ils vont m'en renvoyer d'autres? Je ne sais pas. Je sais pas. Donc ça passe par Amazon. Donc on voit assez rapide. Et super. Franchement super. Donc pour les prix, bah, je ne les ai pas. Moi, j'ai pas été voir sur leur site. J'ai pas été voir sur Amazon, donc je connais pas les prix. Mais je pense que ça doit être raisonnable. Hein. Mais c'est la grande mode. C'est la grande mode d'épée mystère. Mais moi, j'aime pas tant que ça. Pas tant que ça parce que ben sur beaucoup de sites, on ne peut pas choisir ce qu'on veut. On a des thèmes. On a des thèmes, mais moi qui suis très geek, ben, y a pas. Y a pas pour les geeks. Donc du coup, c'est compliqué. Donc voilà. Après, c'est un petit chat, c'est Cattle Red. Officiel. Mais j'avais pas vu, il y avait une étiquette. Et là, il y a bien marqué que c'est mystère. Donc voilà. Donc à faire. Et puis bah, je vais l'offrir. Je vais l'offrir parce que sincèrement, je pense que c'est pas du tout mon style. D'ailleurs, je peux vous montrer là. Là, vous allez voir. On est dans le salon et on a commencé à raccrocher les toiles, mes toiles geek. Voilà. Donc du coup, c'est super top. Voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous. Je remercie Cattle Red. Thank you very, very much, Cattle Red. Voilà, c'est à peu près les seuls mots que je sais dire. Donc voilà, merci beaucoup à la compagnie de me faire confiance et de m'offrir une toile pour le concours et m'offrir une toile à moi. Je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous.